Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ultra IA. Aujourd'hui, j'aimerais vous apprendre à customiser votre lame de couteau en la patinant artificiellement et aussi en la gravant absolument simplement avec des choses que vous avez à la maison. Voilà deux méthodes pour vous apprendre à embellir et personnaliser votre couteau. Pour graver la lame du couteau, alors vous avez besoin d'une lame de couteau à graver, de coton-tige, de l'eau, du sel, de scotch, alors là j'ai pris du scotch d'isolation électrique, ça marche très bien, d'un cutter et d'un transfo, un vieux transfo, là c'est un 12 volts, j'ai dénudé les deux bouts. Et j'ai mis des pinces croco que voici. L'idée, c'est de faire un pochoir. Alors, deux solutions pour faire un pochoir.
On va mettre du scotch comme ceci, on va en mettre plusieurs, et puis on va découper les initiales, ce qu'on veut, et ça va faire un pochoir. Alors j'ai une machine, moi, qui découpe comme ça, je m'en sers pour tous les loisirs créatifs, pour faire des t-shirts, mais aussi pour faire des pochoirs, notamment pour l'aérographe. Et là, je m'en suis servi pour faire un pochoir, vous voyez cette petite coquille que j'ai collée directement, comme ceci. Voilà, mais ça marche très bien aussi avec le scotch. De préparation. Alors, on va mettre du sel dans l'eau. On va en mettre pas mal. Continuer. On va en mettre pas mal. Voilà. Et on va bien mélanger pour que le sel puisse se dissoudre dans l'eau. Ok, comme ça. Alors, pour graver la lame, on va mettre un pôle juste ici sur la lame. Sur le deuxième bout, on va tremper un petit peu dans l'eau salée. On va mettre la cosse pas trop loin comme ceci et c'est parti. On colle bien le pochoir pour pas que ça dépasse et c'est parti. Alors là, il faut être un petit peu patient. Faites attention quand même, ça dégage des vapeurs toxiques. Donc l'idéal, c'est quand même de faire ça à l'extérieur. Vous voyez tout de suite que ça commence à noircir. Donc là, il faut être patient. Voilà, on débranche le transfo. Je vais enlever l'autocollant. Il n'y a plus qu'à nettoyer et la lame est gravée. Comment graver la lame. Voilà, vous savez maintenant customiser vos lames de couteau. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt pour d'autres astuces trekking et voyage sur la chaîne Ultreia.